Le temps est parti, je cours derrière le temps. Ah, tu me manques aussi. Arrête de blaguer. Uh-huh. Quand est-ce que tu vas arrêter de faire le bébé? Hein? Ok. Ah, bien sûr que oui. Mm-hmm. On va s'appeler tôt, bien. D'accord. Bébé, c'est moi. Permets-moi de dormir. Je me sens tellement fatiguée. Je t'aime aussi. Mm-hmm. Ah. Bye. Mm-hmm. Mm-hmm. Bye. Ah, mon chéri. Non, je ne parle pas du véhicule. Je parle de toi. Ne viendras-tu pas à l'église? Vraiment, c'est tout ce que tu dis. Joseph, pourquoi tu es toujours comme ça? Pourquoi? Hein? D'accord. Bien, attends-toi alors. Oui, je vais à l'église. Ok. Bye. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Aide-moi, je te prie. Allez, dépêche-toi. Ou tu n'as qu'à me suivre. Mes régions. C'est quoi ça encore? N'est-il pas marié à moi? Voyons bébé, je sais que j'ai mal fait. Pardonne-moi. Hein? Jeff, tu es toujours fatigué, incapable de tenir un temps de prière. C'est toi l'homme de la maison, tu es supposé amener la famille dans la présence de Dieu. Ah, tu reviens encore. Ce n'est pas les mêmes services. Ok? Et je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, pardonne-moi. Comme tu sais que tu finiras par me voir, c'est pourquoi tu me prends pour acquis. Je suis désolé. Hein? Viens t'asseoir ici. Approche. Ça, c'est ma chérie. Bébé, c'est comment la formation? Es-tu parti aujourd'hui? Bien sûr que oui. C'est quoi? Ok, le c'était quoi déjà? Pourquoi tu le demandes? Bébé, c'est juste une question de curiosité. Ok? Que penses-tu de ça? Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bien sûr que oui. Bébé, je vais nous acheter une nouvelle voiture. Oui, de l'argent que j'ai reçu des affaires que j'avais fait la fois passée. Et tu sais, ce que je veux maintenant, c'est une BMW X. Bébé, tu vas aimer ça, c'est une belle voiture. Tu as fait quoi? Tu vas l'aimer, bébé. Jeff! Bébé, pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu es en colère? Je veux juste qu'on vive comme toute autre famille qui se respecte. Mais qu'est-ce qui ne va pas en ça? Tout. Jeff, il n'y a rien de bon dans tout ceci. Tu as acheté un nouveau véhicule sans pour autant me consulter. Hein? Ça devrait censé être une bonne nouvelle.
mais tu es toujours contre ça. Je suis juste en train d'essayer de vivre comme toute autre famille. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Oh mon Dieu. Bébé, je ne suis pas du tout mécontente en l'entendre. Je pense que tu aurais dû investir dans autre chose. Qu'en est-il de mon salon de coiffure et de mes boutiques de beauté? À la place pour toi d'acheter une nouvelle voiture, ne vois-tu pas? Vraiment. Et c'est juste une seule chose qui montre vraiment comment tu es. Oui. Oui. Tu as des ambitions. Toujours. Ah Dieu. Pourquoi investir dans tes boutiques de beauté? Est-ce que tu penses aussi à moi? Hein? Qu'en est-il de moi? Explique-moi. Jeff, nous avons une Jeep, un Acura. Cela ne suffit pas? Ok. Je veux juste que tu sois connecté. Par là, j'aurai beaucoup d'affaires, beaucoup d'opportunités. C'est tout ce que je veux. Tu sais quoi? Je pars. Voilà. Vraiment, tu dois ouvrir ton esprit. Vraiment, je t'attendais à ce que je sois excitée pendant que la nouvelle n'est même pas intéressante. Seigneur, j'ai jusqu'à quand tu vas continuer ainsi de gaspillage inutile. Oh bébé! Bébé, viens voir ce que j'ai amené. Bébé, sors, j'ai une surprise pour toi. Bébé, regarde, tu vois? Est-ce que tu l'as aimé? Mais bébé, mais voyons, viens, bébé! Bébé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai appelé, non? Jeff! Donc tu as fini par ramener ces trucs jusqu'à la maison. Tu n'as pas voulu m'écouter, moi, ta femme. Seigneur. Bébé, je sais que tu es en colère contre moi, ok? Mais tu dois au moins vérifier pour voir. Écoute-moi bien. Je ne suis pas du tout intéressée. Je ne le suis pas. Tu vas aimer. Aimer quoi? Le mieux serait pour toi de m'élargir mon champ de business. Tu achètes un véhicule qui ne te ramènera rien en termes de gains. Et tu veux que je sois contente? Hein? Bébé, regarde. Bébé, j'ai choisi la dernière marque. Mais je veux que tu apprécies aussi. Hein? J'ai assez d'argent investi dans beaucoup de choses. Dans toutes les choses qui te plaira. Tout ce qui te fera plaisir. Jeff, pourquoi tu ne changes pas de marque? Tu peux prendre celle qui est moins coûteuse. Oui. Je suis prêt à tout ça. Hein? Désolée, chérie. D'accord, désolée. Ne t'en fais pas, bébé. Maintenant, ça va? Ouais. Tu veux vraiment voir la voiture? Sérieux? Bébé. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Lentement. Hein? Un peu de sucre. Ok, d'accord. On peut aller maintenant. Après toi. Ah!
C'est un rêve. C'est un rêve. Mon téléphone. Mon téléphone. Où est mon téléphone? Frère Emeka, il y a quelqu'un autour de vous qui veut absolument votre mort. Bien, vous savez, vous êtes un vrai prophète de Dieu. Vous êtes un vrai prophète de Dieu. Vous voyez ce que vous venez de me dire? C'est exactement ce qu'on a déjà eu à me dire. Sérieux, vous êtes un vrai prophète de Dieu. Tu sonnais un peu comme si tu doutais de la puissance de Dieu. Non. Non, vous savez, c'est un truc genre... Vous savez, quand vous entendez ce que vous aviez entendu de quelqu'un en particulier, cela vous rend sûr et certain. Vous venez de me dire exactement ce que l'on a eu à me dire. La seule différence maintenant, c'est que vous n'avez pas mentionné le nom. Le nom? Qui vous l'a expliqué? Et pourquoi êtes-vous venu ici si vous avez la solution à votre soi-disant problème? Oh mon Dieu, vous savez, j'ai été voir un féticheur qui a pris le temps de m'expliquer absolument tout. Comment est-ce que mon oncle voulait absolument me tuer? Comment est-ce que mon oncle voulait absolument me voir mort? Et vous savez, quand je suis allé à la maison, ma femme n'était pas d'accord avec lui. Et elle insistait à ce que je vienne vous voir. Vous avez eu à voir un féticheur? C'est bien plus sérieux que je ne le pensais. Pourquoi? Vous savez, c'est entre parenthèses. Quand un homme se trouve dans cette situation, je veux dire, si vous, en tant que personne, vous trouviez dans la même situation que moi, hein? Je suis sûr que vous auriez fait tout votre possible. Vous seriez d'ailleurs allé voir le diable lui-même à la recherche de la solution. Non, je vois. Mais vous savez, est-ce que votre femme était d'accord avec cette idée? Non. Si elle l'était, je ne serais même pas là. Elle était tellement fâchée et ma femme était tellement fâchée et en colère qu'elle m'avait dit que je devais venir et voir son prophète. Aucune femme sensée ne permettrait à son mari de visiter des endroits diaboliques. Et le Saint-Esprit vient juste de me révéler que vous ne devriez pas retourner voir ce féticheur. Sinon, vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou. Devenir fou? Prophète de Dieu. Devenir fou? Sans effet. Sans effet. Sans effet. Non. Ok. Je vous ai entendu. Qu'est-ce que je suis censé acheter? Quel objet ai-je besoin d'acheter pour commencer cette mission? Je veux dire, que devrais-je apporter pour le combat physique qui est sur le point de commencer? Frère Emeka, vous devez vous rapprocher de Dieu. Vous et votre femme devez vous réunir aujourd'hui et glorifier Dieu. Lui, tout seul, peut absolument tout faire et combattre ton combat pour toi. Attendez, quoi? prophète de Dieu, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est... Qu'ai-je besoin d'acheter? Ok, si vous ne voulez pas que j'achète quoi que ce soit, combien voulez-vous que je vous emmène en cash? Vous n'avez qu'à me le dire et je l'apporterai afin que vous commenciez l'entretien, pour que vous puissiez me tourner autour pour la fortification. Emeka, les hommes ne mènent pas les batailles. Dieu mène les batailles. Si vous êtes proche de Dieu, c'est là qu'il s'expose. C'est là qu'il révèle les secrets de ce plan qu'il a fait pour toi. Et pour cet homme auquel vous pensez, votre oncle, vous devez toujours rester auprès de lui. Vous voyez ça? Le féticheur m'a dit que je devrais continuer à être ami avec mon oncle. Voilà que vous aussi vous me dites, ok, je vous ai bien entendu, pas de problème, je vais continuer. Je vous ai bien entendu, je vais continuer à être ami avec lui. Je vais continuer, quand vous me verrez allongé par terre, vous allez venir pour prier pour moi. Je vais continuer à lui parler, pas de problème. Je vais continuer à être ami avec lui.
Mon Dieu, aide mon cher frère. Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Je prends très bien soin de toi comme un enfant venant de naître. Le pasteur et le féticheur ont dit presque la même chose. Devrais-je retourner voir le pasteur ou le féticheur? Mama. Evo. Mama. Waouh, tu es toujours fraîche. Tu es de retour. Mm-hmm, maman. Oui, ça va. Mais je suis en train de balayer ma maison. Mama. Je ne peux plus balayer ma maison. N'est-ce pas que je dois faire un peu de sport? Ça, c'est le seul exercice qui peut m'aider à tenir et être en forme. Alors, maman, comment tu vas? Je vais bien, mon fils. C'est comme tu vois. Dis-moi. Comment vont tout le monde en ville? Ah, ils vont bien. Tout le monde va bien. Mama, tu es toujours belle. Alors, dis-moi, c'est quoi ton secret? Ah, mon fils, c'est un bonheur. Oh. C'est un bonheur. Comment va ton frère et toute sa famille? Est-ce que vous êtes vus ces derniers temps? Ah, maman, je me suis rassuré que toute la famille aille bien. Voilà un peu. Allez, on va à la maison. Tu as ces garçons. Dieu est bon, il continue de nous garder. Yakanomene. Mettez-les dehors. Dehors, chamandé. Maman, réveille-toi. Maman, tout va bien? Tu as fait un cauchemar? Oui, mon fils. Oui, mon fils. Ça va. Je vais être seul. Va dans ta chambre. Oui, c'est le temps. Est-ce que ça va? Non, arrête, ne te dérange pas. Je ne peux pas te déranger autant pour moi. Rentre dormir. Maman, j'ai fait le même trouble cette nuit. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des mêmes troubles, que des mêmes troubles. Va dans ta chambre. Tu m'as entendu? Tu as un long voyage à effectuer demain. Ok, je suis là. Les dieux de notre terre, s'il vous plaît, soyez avec moi en haut. Ma cliente de luxe, ma cliente potentielle, ça va? Madame Labelle, ça va? Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, tu sais, toujours au rythme de la mode, comme je sais à l'intimité. Regarde comment je suis. N'est-ce pas élégante? Oh, bien intéressante. Dis-moi, aujourd'hui, c'est pourquoi tu es venue? Ah, comme toujours, non, je suis venue pour que tu m'effaces mes cheveux.
m'habiller, me faire un peu de make-up pour que je puisse être comme toi. Je vais être à la mode. Sarah, tes cheveux ne sont même pas encore de fait apparemment. Et puis dans tous les cas, tu es venue très tôt. Madame Nobel, ne me prenez pas pour une moindre, laissez-moi vous dire. Il y a pas mal de salons de coiffure ici. Si je viens ici, ce n'est pas pour vous déranger. N'est-ce pas que j'ai toujours payé mes factures? Madame Nobel, est-ce que votre mari est déjà rentré d'où il était parti? Clara, nous nous connaissons pour le business et non pour que tu interfères dans les affaires de ma famille, ok? Ma cliente, ne sois pas vexée, non? Qu'est-ce qu'il y a si fâché là-dessus? Je n'ai pas d'autre salon par ici, oh. Patron. Oh, ça va? Patron. Hey, patron, content de vous voir. Hey, comment allez-vous, boss? Pas mal. Hein? Comment? Je vais bien. La maison est là. Elle vous a vraiment manqué, en tout cas. Tout le monde est là et tout le monde est là. J'espère que tout se passe bien. Oui, je crois que tout se passe bien. Mais je parlais de... ok. Mon petit est déjà parti à l'école. Alors, madame n'a rien dit du tout. Elle est sortie juste comme ça. Elle a dit que je devais attendre. Qu'elle est partie acheter des bonbons pour tout le monde. Qu'elle est partie acheter pour son fils. Qu'elle va en acheter pour moi. Qu'elle va en acheter pour le chauffeur. Elle va en acheter pour tout le monde, au fait. Espérons qu'elle va faire ce qu'elle a dit. Ah, t'inquiète. Laisse-moi le faire moi-même. Je crois bien qu'un jour, vous pourrez même aller à m'envoyer moi aussi. Oga, bienvenue chez vous. Oga. Content de vous voir, en tout cas. Merci. Monsieur, bienvenue chez vous. Papa? Encore une fois, bienvenue, papa. Patron. Oh, ça c'est mon fils. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Papa. Merci, ça oh, c'est mon amoureuse. Tiens le sac. Comment vas-tu? Merci beaucoup. Comment tu vas? Ça s'est passé comment? Entrons. Encore une fois. Ah oui, je suis content. Je suis content de rentrer à la maison. Après un long séjour. Loin de ma famille. Vraiment? Vous m'avez beaucoup manqué. Énormément. Voilà que Oga vient à peine d'arriver. Madame l'a déjà récupéré. Voilà qu'ils m'ont laissé ici. Pas de problème. Moi, on m'abandonne juste comme ça. Juste comme ça, on me laisse et voilà qu'ils partent. Après, ils voudront m'envoyer. C'est pas un problème. Mon déplacement m'a aidé à découvrir beaucoup de choses. C'est ça. Voilà un peu. Très bien. Jeff Ben, l'unique ingénieur dans la communauté de Umurede. Les grands hommes d'affaires. Comment vas-tu? Comme tu peux le voir, je vais bien. On se débrouille en tout cas. Ah, vraiment. Cher Marbel, ma très belle femme, comment vas-tu? Oui, ça va. Ouais. Laisse-moi t'offrir un verre d'eau froid. Ah, merci infiniment. Vraiment. Bien, Jeff. Oui. Quand es-tu revenu? Il y a d'ici là quelques jours. Comme tu peux le voir, je suis là. Ouais. Comment va maman et quand est-ce que tu l'as vue la dernière fois? Oh, maman va bien. Oh, elle va beaucoup mieux que la dernière fois que tu l'as vue. Comme tu l'as dit. Tu as vraiment de la chance. Oh. Comment tu peux dire ça? Merci beaucoup. Mais de quoi tu parles? À première vue, ça ne semble pas beau. Mais pourquoi cette beauté? Écoute, je n'ai pas assez de force aujourd'hui. Je vais préparer ta chambre. Et pas d'excuses aujourd'hui. Tu vas passer la nuit avec nous. Ok? Très bien. D'accord, je vais tout de suite. Bébé. Je te rejoins dans un instant. D'accord. Ta femme va de mieux en mieux chaque jour. Ça peut être comme ça. Elle est vraiment attentionnée.
Vous savez, considérant le fait que maman et toi ne vouliez pas à ce que je puisse épouser cette fille, parce qu'elle était trop collante ici, collante par là et tout ça. Et voyons, c'était avant que je puisse connaître Christ. Et d'ailleurs, la plupart des filles de l'église nous en font voir de toutes les couleurs. Tu sais, si je vous avais écouté tous les deux, hein, j'aurais manqué cette belle créature. Tu sais, même maman a confirmé que vous deux étiez vraiment faits l'un pour l'autre. Oui, un truc comme ça. Parle-moi de ta vision de devenir pasteur. Sérieux, pasteur? Voyons, c'est pas possible. Qui t'a raconté une telle chose? Ah, ne me dis pas ça. Maman me l'a dit quand je l'ai appelée la dernière fois. Maman, toujours dans le drame, pas possible. Je suis pas censé être pasteur pour servir Dieu. D'ailleurs, il y a plusieurs départements à l'église pour servir Dieu. Alors, je ne serai pas... Tu sais, je ne suis pas contre toi du fait que tu aies choisi d'être serviteur de Dieu, mais il y a un truc qui me dérange à propos de ça. Bien sûr que tu... Hein? Avant, tu t'occupais d'abord de tes affaires. Et maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Oui. Et toi, quand est-ce que tu vas travailler pour Dieu? Ça sera un sujet pour un autre jour, n'est-ce pas? D'ailleurs, présentement, ma femme est en train de travailler sur ce sujet. C'est pas vrai, Jeff. Alors, comment est-ce que tu évolues avec les affaires? Ah, salut, bébé. T'as fait, vas-y, aide-moi, chérie. Allez. Oh, t'en fais pas, c'est bon. Ok. Bon, je l'espère bien. Ouais, ça va. Bien, je crois que c'est bon. Bisous. Alors, okay. Tu as l'air très belle aujourd'hui. Je crois que je vais aller prendre un coup avec les gars. Chérie, s'il te plaît, ne prends pas de l'alcool. Je ne veux pas que tu rentres ivre. Ça ne m'arrange pas, s'il te plaît. Chérie, tu sais à quel point je peux me montrer très prudent. Ah, mais t'en fais pas, c'est juste un verre, rien de plus. Je peux très bien maîtriser, il n'y a rien de grave. Tu as toujours dit la même chose. À chaque fois que je t'en en parle, tu sais, en prenant de la bière avec les amis, quand tu rentres ivre, quelqu'un peut te faire du mal facilement. Je n'apprécie pas quand tu rentres en état d'inconscience. Ça ne me permet pas de maximiser le temps avec toi quand tu rentres, bébé, s'il te plaît. Chérie, je t'en prie. J'ai dit que c'est... juste un verre avec les gars. Je sais ce que je fais, je ne suis pas un ivrogne, je sais me contrôler, alors je ne suis pas... Je sais très bien gérer l'alcool, alors tu n'as qu'à me faire confiance, s'il te plaît. J'ai déjà pris une décision ce soir, pas trop d'alcool. Chérie, s'il te plaît, fais-moi confiance. Ok, c'est bon, comme je l'ai dit. D'accord. Hey, viens là. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Tu rentres seule pour me laisser toute seule à la maison, ce n'est pas du tout gentil. Allez, dis pas ça, chérie. Tu sais que je serai de retour avant que tu te rendes compte. Oui, ça va. Ouais. Bien, on y va. Ne me touche pas. Je n'arrive pas à y croire que tu as vraiment permis à ce que cela n'arrive. Oh! Est-ce que je dois attendre quand je vois mon mari en train de courir un risque pour agir? Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Cette fille est ma secrétaire. Pourquoi as-tu agi méchamment? Que voulais-tu que je fasse juste? Vire-la! Ce serait mieux de te débarrasser d'elle vite, puisque je ne vais plus encore poser mes yeux sur elle. C'est quelle bêtise ça, hein? La virer? Je pensais que tu étais celle qui voudrait mon progrès en premier. Comment peux-tu dire une telle chose à moi? Virer cette pauvre fille à cause d'un simple agent de sécurité? Tu dois vraiment être très folle, toi. Ah! Ah, les femmes. Les femmes sont remplies de rancune et de jalousie. Oh, Zino. Pourquoi dois-tu apparaître
Seulement en ce moment. Tu viens de ruiner, tu viens juste de me prendre un moment si spécial de ma vie. Chief. Oui? Vous avez trouvé dans ces sachets les produits que vous avez commandés. Oh oh! Tout est dedans. Oui, merci. Hey, tu es une très bonne femme, hein? Merci infiniment, ma chère. Alors, Oui? Comment ça va? J'espère que tout marche bien comme prévu. Oui, tout marche exactement de la manière dont nous l'avons prévu. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te rassures de faire ce que tu as à faire. Et que j'ai ce que je veux, moi, hein? Makada Kodimba, hein? Fais bien ton travail. Et pour le garçon, je vais m'assurer à ce que les garçons soient très bien traités. L'argent doit être en bas de la liste de vos préoccupations maintenant. C'est un marché qui est en train d'être conclu ici. J'espère que tu seras capable d'exécuter ce plan. Ne vous inquiétez même pas pour ça, hein? Soyez tranquille, hein? Tu peux donc me les rassurer? Bien sûr. Ok. Allez. Tiens, hey! Ça, c'est l'avance. Oh, ça, c'est beaucoup comme ça. Hein? Merci infiniment. Merci. Hein? Ceci, c'est de l'argent. Je dois devenir millionnaire. Exact. Moi, Chifuba, dois devenir millionnaire cette fois. Que le monde aime cela ou pas. Ça là, c'est du cash. C'est de la maille. C'est de l'oseille. Également le pognon. C'est de la maille. C'est le pognon. C'est également de l'oseille. Bien, la richesse, me voici. Comment vas-tu, bébé? Ah, bébé? Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est juste que j'ai un peu mal à la tête. Juste un petit mot de tête? Oui. Je crois qu'il faut que tu voyes un docteur. Non, ce n'est pas grave, non. Ok, vas-y, parle. Ça va. Ça ira. Ne te dérange pas. Ah, comme tu l'as dit. Tu sais quoi, bébé? Quoi, chérie? J'ai décidé d'aller dans le business class. Oh, je vois. Je vois Ben a réussi à te convaincre, hein? Arrête. Arrête, bébé. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Non, elle ne peut pas me convaincre de prendre la classe qu'elle veut, non. Oui, j'ai décidé d'aller du côté Orient. Le pétrole et le gaz? Oui, du côté Orient. Je m'excuse, pardonne-moi, bébé. Allô? Oh, mon cher, comment tu vas? Au club? Ok, ok, pas de problème. Je te rejoins là-bas. Merci. Bébé, je dois partir, ok? Tu ne m'as rien dit de concret sur le business de pétrole et de gaz. Oh, chérie, crois-moi, hein? Crois-moi seulement, ça va bien se passer. J'espère que c'est un business rentable. Oui, bien sûr. Et je te vois après. D'accord. Seigneur, s'il te plaît, protège-les pour moi et pour l'enfant.
Écoute. Jeff, j'allais dire ceci. Il y a ceci. Les gars m'ont donné leur parole. Et cela emmène à dire que absolument chaque être humain qui a été attrapé dans cette stupidité ne devrait plus travailler pour nous. Non. Ah, mon cher, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Écoute, il y a tellement beaucoup trop de sujets à propos de ces problèmes. Nous essayons de faire des nommiers, mais souvent on ne trouve pas de bonnes solutions. Écoute, n'essaie pas de me dire que tu trouves maintenant que nos plans sont pas vraiment si organisés que ça ne l'était. Jeff, écoute-moi. Ceci est la meilleure chose. Ceci est la meilleure chose. C'est la chose même dont nous avons besoin. Tu en es sûr? Ce n'est pas exactement ce qu'on est en train de parler là. Tu me fais vraiment rire, Jeff. Arrête ça. Tu m'as vraiment fait rire. Tu sais, on va faire ceci. Non, attends. Je vais t'expliquer un truc. Il y a des gens qui appellent ça de l'hypocrisie. Tu sais comment j'appelle ça? Je ne sais pas comment est-ce que je peux t'expliquer ça à toi. Je ne sais pas comment te dire la chose, mais laisse-moi au moins essayer de te le dire, ok? Tu sais, je ferai du mieux que je peux. Écoute ça. Je te le dis à toi, tu comprends ça, hein? Sa collègue, j'ai parlé avec elle en privé. Regarde ça. Ceci est un plan que... Un plan que tu nous as assuré que... Pour demain, un plan que tu as planifié toi-même sans nous le dire. Regardons le problème s'agrandir. Et quand ça sera grave, regarder certaines personnes juste partir, te faire des profits pendant que les autres sont... Tu nous vois tous autant que nous sommes comme des fous. C'est de ça dont je parle maintenant. Du calme, mon cher. C'est un plan foiré. Pour toi. C'est ce que tu trouves à dire. J'espère juste que ça marche. Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes là, mec? Sincèrement, je ne sais pas trop si cela va marcher parce que j'en suis pas très sûr. Mais je peux au moins t'assurer d'une chose. Je serai là. Ah, c'est tellement terrible depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Hey. Pas possible. Bro. Écoute mec, je crois qu'on devrait trinquer parce que c'est tellement une putain de bonne chose de travailler. Que tu travailles est une chose qui me rend très heureux. Et cela me rapporte très souvent le bonheur et la joie parce que tu sais. Mais dis-moi, c'est comment avec le garçon à qui nous avions confié la marchandise? C'est terrible. Je pensais qu'il était mort. À la santé, mon cher. Mon bro. Oui. Allez, trinquons mon cher. En tout cas, vivant pour ça. Tu sais que je t'aime beaucoup pour ça. Tchaï. Ça, c'est bien. Maman. Maman, bon après-midi. Comment tu vas? Maman, je vais bien. Mon petit-fils. Comment tu vas? Je vais bien. Maman, regarde comment tu es splendide. C'est quoi le secret? Izuaku, Dieu contrôle, rien que lui. C'est Dieu. Il n'y a rien de spécial ici à manger, ce n'est les ogossi et les foufous. Maman. Hey, tu m'as gardé un secret apparemment. Ça c'est quoi? Tu es enceinte, oh? Oui, maman, j'ai une grossesse de 4 semaines. C'est bien. Hey, bienvenue. Merci, maman. Fiston. Hey, allez, venez. Venez avec moi à la maison. Mes enfants, oh, je suis très contente de vous voir. Madame. Oui, maman. Pourquoi tu n'as pas encore informé à ton mari jusqu'au maintenant de cette grossesse? Hein? Maman, comment tu...
Tu fais comme si je ne l'informerai jamais. Dans tous les cas, je suis avec lui dans une même maison, maman. Il finira par le savoir. Hein? Oh non, quoi? Il finira par le savoir? Hein? Vraiment, le mari que tu prétends aimer, jusque maintenant, il n'est pas au courant de ta grossesse. Yeah! Comment tu peux arriver jusque chez moi et ton mari ne sait pas que tu es enceinte? Maman, tu parles comme si tu étais au courant que je voulais avorter les bébés. Maman, je ne pense pas que le temps est bon pour faire une quelconque annonce. Je le lui dirai moi-même. Je te le promets. Maman, je le lui dirai. Ok, si tu le dis. Ok, bien. Maintenant que tu es entre mes mains, je vais me rassurer de bien prendre soin de toi et de bien prendre soin de l'enfant qui est dans ton ventre. Hey, dis-moi. Qu'est-ce que tu voudras manger? Maman, non. Maman, relax. Maman, tu veux me gâter? N'oublie pas que je suis ta fille. Je suis là avec toi. Pas question. Pas dans cette condition. Je ne veux que rien de mal ne t'arrive. Je vais préparer. Avec qui étais-tu en train de parler au téléphone? Je l'ai entendu dire qu'il viendra nous visiter dans peu de temps. Ne vas-tu pas rentrer chez ton mari ce week-end? Maman, on a élargi mon congé. Au lieu de un mois, on m'a donné 2 mois. Oui, maman. Ok, j'ai cru juste qu'il y avait un problème dans ton foyer. Attends un peu. Mais pourquoi ton mari ne fait pas signe? Maman, tu t'inquiètes beaucoup. Pourquoi tu ne te dépêches pas au marché pour nous trouver à manger? Attends, je m'imagine déjà comment je vais me régaler. Okay, je vais y aller. Pendant que je serai partie, rassure-toi de te reposer comme il faut. Bien sûr que oui, ne jamais oublier la condition dans laquelle tu te trouves. Viens, nous sommes convenus. Laisse-moi aller trouver mon sac pour aller au marché. Maman, presse le pas, hein. Ne prends pas beaucoup de temps, rentre à temps. Oui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Oui, maman, d'accord. Ah, je viens à peine de tromper ma mère. Seigneur, aide-moi. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, garde le secret. Je ne veux pas que ma mère sache la vérité. Bébé, tu n'as pas fait signe aujourd'hui. C'était quoi le problème? Tu sais, je devais aller pour effectuer certains de devoirs conjugaux. Écoute-moi. Nous devons absolument être très prudents. Nous devons être très prudents. Je veux dire, ma femme commence déjà à me suspecter. Bébé, pourquoi tu ne fais pas l'essentiel et m'épouser? Épouse-moi. Une femme qui ne sait pas remplir ses devoirs. Elle est folle. Plus jamais. N'ose plus jamais. Je veux dire, n'ose plus jamais de toute ta vie, me connaissant moi et Meka, appeler ma femme folle. N'en as-tu pas fait assez? Pour l'amour du ciel, ne pas te prendre un mari, n'est-ce pas assez déjà? Tu vas jusqu'à traiter ma femme de folle. Je suis désolée, chérie. C'était juste... C'est vrai. Ah, je suis navrée. C'est bon, arrête maintenant. C'est bon. Écoute, nous devons être vraiment prudents. Nous devons être vraiment, vraiment prudents. Je ne veux pas qu'elle découvre quoi que ce soit entre nous. Voilà pourquoi je te demande de ne plus exercer tes fonctions là-bas au bureau. C'est terminé. Quoi? Emeka? Es-tu en train de me repousser indirectement? Zino, j'en ai marre. Je veux sauver mon mariage. Sauver ton mariage? Ça fait beaucoup d'années que je suis avec toi. Nous nous sommes affichés au lieu public, chez toi, au bureau, partout. Bébé,
Qu'en est-il de mes émotions? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Bébé, tu me fais ça juste parce que pourquoi tu ne comprends pas ça? Est-ce que tu es normal? Ce que je veux dire, c'est... Essayons juste de... Prenons juste des précautions. Essayons d'être plus prudents, c'est tout. Écoute, Zino. Je vais vraiment me rassurer de te procurer tout ce dont tu auras besoin. Absolument tout ce que tu veux. Tout ce dont j'ai besoin? Absolument tout, chérie. Ok. D'accord. J'ai besoin de toi maintenant, bébé. J'espère que tu m'aimes autant. Je t'aime. Je dois y aller, chérie. Pourquoi? Faut vraiment que j'y aille. Hey, allez, je dois aller me rafraîchir, ok? C'est donc pour cette fin que je t'ai servi. Je te désire très fort. C'est bon, tu as fini? Oui, j'ai fini, bébé. Chérie, désaltère-toi. Et comment? Vraiment, ce que tu me fais, je ne le supporte pas. Mais bon, je n'ai pas de choix. Allez. Je fais avec. Allez, vas-y. Bon, essaye au moins d'oublier ça pour le moment, ok? Je suis dans la même chambre avec la plus belle femme que je connaisse. Hormis le fait que tu ne sois pas ma femme, mais c'est bon. T'es toi, magnifique. Hein, franchement. Merci, bébé. Prends. Ah. Tu vas bien te rafraîchir. Où allons-nous commencer la course? Vraiment. Je t'aime, mon amour. Tu me veux trop, hein? Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Allez, ça va, comment tu te sens? Oh, comment veux-tu que je me sens, dis-moi. Je suis avec toi. Ne me désires-tu pas? Eh bien... Je dois y aller. Mais viens là, toi. Tu es sûr? Ouais, ça va. Je dois encore me rafraîchir. Encore? Ouais, je reviens. S'il te plaît, donne-moi une minute. Ok, viens. Cette fois-ci, tu vas t'endormir avec tes enceintes. Fou! Tu veux blaguer avec moi? Dieu, où étais-tu? Mais pourquoi tu rentres très tard comme ça, chérie? Bébé, s'il te plaît, arrête de faire comme si c'était habitué à ça. Chérie, est-ce que tu vas bien? Chérie. Alors, mon cher. Quand vas-tu retourner en ville? Je retournerai en ville très bientôt. Y a-t-il un problème? Ah non! C'est pas tout ce que tu es en train de penser. Maman s'inquiète juste à propos de toi. Je sais. Tu sais ce qui m'est arrivé? Tellement beaucoup de choses. Oui, je suis au courant. Alors, qu'est-ce que tu as pris comme décision? Es-tu en train de réfléchir à cela? Non. Je veux juste que mes propres affaires progressent.
Les gens ne sont pas obligés de savoir. Tu sais comment maman perd les plans avec des histoires pareilles. Ouais, tu as raison. Mais à propos de tes affaires, ça ne produit pas assez. Non. Non. Il y a de cela quelques temps. Et j'ai décidé de se déplacer. Se déplacer? Hey, pourquoi tu as eu cette idée-là? Je ne décide pas de me déplacer juste comme ça, tu sais. La pollution devient trop lente partout. Bien, comme tu dis ça, parce que c'est toi le boss. Tu sais quoi faire. Alors, comment évoluent les affaires? Ouais, les choses avancent bien. Ça avance bien. Je suis prêt d'introduire... Peut-être c'est parce que tu veux te marier. Oh, non, je te le ferai savoir. Si je suis prêt, je te ferai signe. J'attends seulement impatient. C'est un choix un peu compliqué. Ouais, j'ai compris. Alors, vous savez, bon, il faut que je parte. Les choses avancent. En tout cas, c'était vraiment un bon moment. En tout cas, moi. Hey, mon cher fils. Oui, oncle. Merci infiniment de toujours penser à moi. Je ne sais pas ce que je serais sans toi. Oncle, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu parles ainsi. Tu es mon cher oncle. Tu sais, tu es le petit frère de ma propre mère. Tu as toujours été comme un père pour moi. Si je ne le fais pas, si je ne te procure pas ce que tu veux, à qui d'autre vais-je le faire, dis-moi? C'est d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être cet enfant que je n'ai pas. Au moins, tu me donnes une raison de vivre. Écoute, oncle, tu commences un peu à parler comme une femme, alors je pense que je vais prendre ceci. Tiens, prends ceci. C'est pour toi. Hey. Juste prends ça. Quand je retournerai en vie, je t'en enverrai encore plus. Mon fils, merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. Merci infiniment. Où est-ce que tu vas déjà? Eh bien, je me dirigeais vers chez ma maman, mais je m'étais dit de passer te voir ici, donc pour savoir. Ce n'est pas grave, mon fils. Toujours être prudent, hein? Oui, bien sûr. Et n'oublie pas de saluer ta femme pour moi. Hein? Oh, ça! Tu sais, elle a fait tout ce qui était possible pour pouvoir arriver ici, mais elle n'a jamais eu le temps de venir te rendre visite. Mais une fois que cela sera possible, je pourrai venir avec elle. Oh, oh! Comme ça, elle viendra au moins voir l'oncle. Absolument. Hein? Absolument. Merci infiniment. Merci beaucoup, oncle. Au revoir, oncle. D'accord, au revoir. Des bonnes choses, mon fils. Attends. Fais-moi plaisir, prends-toi une ou deux gonzesses, ok? Ce que je t'ai donné, c'est assez. Merci, oncle. Okay. Je t'appellerai une fois que j'arriverai en ville. C'est d'accord, bye-bye. Regardez-le. Rempli d'argent. Mais, il ne veut faire de moi un millionnaire. Méchant garçon. Qui sait? Peut-être qu'il a utilisé le sang de mon cher enfant pour sa richesse à lui. Exact. Je suis en train de suspecter ce garçon. Sérieusement. Exact. Il est toujours là à faire le gars. Toujours là derrière les femmes. Derrière les femmes. On verra bien. On verra bien. Sincèrement, je n'ai aucune confiance en lui. Aucune. Il planifie de me faire du mal. Ma femme. Ouais, la belle femme. Je constate que tu vas à l'église. Je peux voir que tu t'es décidé de rester à la maison et de ne plus jamais aller à l'église. Hey. Jeff, pourquoi tu as endurci ton cœur en ce qui concerne l'église? Pourquoi? C'est reparti encore. Bébé, c'est pas ce que tu penses. C'est juste que j'ai un autre programme. C'est matin. En fait, tu vas nous représenter, nous tous. Hein? Et je te crois juste comme ça. Mais n'oublie pas que le dernier jour, chacun de nous va comparaître devant Dieu pour faire son compte. Ah, bébé. Bien sûr, tu sais quoi?
Bébé, j'avais reçu des visiteurs. En fait, mes partenaires d'affaires. C'est pour cela qu'ils étaient nous voir hier. Et un jour, je vais te les présenter chez eux. Ok? Ok, d'accord? Pas de problème. Je serai là, attends. Reviens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas aller à l'église comme ça. Hmm? Essaie un peu de sourire. Oh, mon amour. Vraiment, tu sais comment voir quelqu'un. Ah, en allant à l'église? Oui. Tu sais quoi? Je te promets, je vais aller à l'église. Ok? C'est promis? Oui, je te promets. Et au cas contraire? Faire. Tu vas rien faire, bébé. Tu vas absolument rien faire. Parce que tu m'aimes. N'est-ce pas? C'est ça. Mon amour. Tu es magnifique. Ok. Un instant, chérie, j'arrive. Je récupère un truc. Très bien, très bien. Laissons-nous reposer ici avant que je me réveille, d'accord? Hein? Ok. Je dois dire que ça me fait vraiment plaisir. Vous savez, vous voir comme ça tous les deux ensemble, moi ça me fait sincèrement plaisir. C'est vraiment un plaisir. Ah. Bien, prenons place d'abord. Ok. Soyez les bienvenus encore. Bienvenue à vous et bienvenue chez nous. Merci, s'il te plaît, tu peux m'appeler Sonia. Oh, Sonia, est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés quelque part? Ton visage me dit quelque chose. Je ne sais pas trop, franchement, je ne sais pas du tout. Écoute, peut-être tu n'es pas encore au courant. C'est elle vraiment la fiancée de mon amie. Wow. Elle est trop populaire. Ok. Oh, c'est merveilleux. Bon, la vérité est que je ne t'ai pas encore vue à la télé, mais j'entends beaucoup parler de toi. Les dames de fer, fameux. Vous savez, ce même nom sonne exactement comme quand elle essaye de s'occuper un peu de beaucoup de choses, quand on essaye de présenter un enfant de notre communauté à celui de la sienne. Elle leur a dit que notre communauté est la base de tout. Et je ne vous le fais pas dire parce que c'est la vérité. Et nous apprécions l'ampleur qu'a pris ces noms. Eh bien, c'était important de rappeler à ces vauriens que nos enfants ne naissent pas pour vivre ces injustices. Exact. Heureusement qu'elles ont repris conscience et se sont mis en ordre. Ouais, c'est ça. Ah, c'est la famille. Ah. Si ça ne vous dérange pas, vous devez nous excuser. Réunion d'affaires. Ah, okay. Alors, ouais. Voilà. C'est bon. Chérie. On peut y aller, mec, c'est bon. Alors, allons-y, on mec. Vous revient dans peu de minutes. Mon mari juste peu de ses minutes. Business, il n'a même pas le temps pour aller à l'église. Ah. Mmh. Ma chérie, c'est ce que j'expérimente moi aussi dans cette maison. Nous sommes dans la même réalité. Non, franchement, ce n'est pas possible, mon Dieu. Ça fait déjà 5 bonnes années que je suis dans cette situation. Moi, je bénis Dieu pour mon fils, Tony. C'est lui qui me tient compagnie à l'église ou dans d'autres affaires. C'est une situation que j'ai jamais souhaité vivre dans la vie de mon couple. Bon. Toi, moi, tu as de la chance. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Tu n'as pas encore mis au monde. Oh, je suis désolée à propos. Nous continuons d'espérer en Dieu. Ça va aller. Dis-moi, est-ce que tu as une idée ou des détails sur ce business que font nos maris? Celle de gaz et de pétrole? C'est comme ça qu'ils l'appellent? Oui. Ouais, c'est ce qu'ils font. Au fait, je crois qu'ils sont très imprégnés dans ce business. Mais est-ce que ton mari t'a étalé les dangers de ce business? Je ne te saisis pas, franchement. Dis un peu plus. Ce que je veux dire est que nos maris à nous se lancent dans des affaires très louches. Et c'est une mauvaise manière de gagner de l'argent. Ils font quoi? Chut. Allez, baisse ta voix. Ils risquent de t'entendre. Ce qu'ils sont en train de faire est contre Dieu, même contre l'humanité. Les jours où je l'ai découvert, je l'ai dit à mon mari à maintes reprises. C'est tellement risqué.
Franchement, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais vraiment quoi faire. Maintenant, je suis inquiète. Et si on les arrête? Où ils sont exposés? Ma chérie, prions juste Dieu de les garder, de leur faire miséricorde. C'est la seule et unique chose que nous pouvons faire maintenant. Coucou. Ma chère. Je suis heureuse de t'avoir. Je fais exactement ce que tu m'avais demandé de faire. Ça, c'est une bonne nouvelle, ma chère. Je suis content de l'entendre. Exactement comme je te l'avais dit. Le business doit marcher. Hmm? J'ai dit que le business devait marcher. Ils doivent assurément revenir dans ce village. Et c'est comme ça que ça va se faire. Regardez-les. Ils pensent que là-bas en ville, ils peuvent avoir tout l'argent dont ils ont besoin dans ce monde. Mais ils ne savent pas que nous, toi et moi, nous sommes ceux qui décident de celui qui sera riche ainsi que de celui qui sera pauvre. Mm-hmm. Ils peuvent bien être là-bas. Tu sais quoi? Assure-toi seulement que le sacrifice puisse être bien opéré. C'est tout ce que tu as à faire. Ça, c'est mon devoir. Ok. Merci, ma chère. God is the way, the truth and the light. All you need is God. Papa, et surtout quand il s'agit de toi, je ne peux pas manquer, ma chérie. Hey, qui est-il? Ça, c'est Ben. Il est mon beau-frère. Bonjour, la dame. Salut. Je suis fan de toi. Oh. Et elle te voit. Oh. Merci d'être venu pour sauver nos maris. Tu sais, il n'y a pas un temps propice comme celui-ci maintenant qu'ils sont en voyage des affaires. Je sais pourquoi je suis inquiète. Je sais pourquoi je me dérange. Ma chérie, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'en as pas du tout besoin. Tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre nos genoux par terre pour crier à Jésus. Il est mort pour toutes ces inquiétudes. Ne porte pas seul ton fardeau. Donne-le à Jésus. Donne-le à Jésus, s'il te plaît. Allez, relax. Est-ce que ça va? Je peux me rappeler maintenant où je t'ai vu. Oui. Mon Dieu. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Je suis parfaitement bien. Je t'ai vu dans mon rêve il y a 2 mois passés. Oui, ça c'est la même parole que tu m'as dite dans ces rêves. Tu étais ma meilleure amie. Sérieux? Dans ces rêves, tu m'encourageais, juste comme tu le fais maintenant. Oh, Seigneur, vraiment, Seigneur, toi, le Seigneur est bon. Tu es merveilleux. Dieu a fait déjà fixer cette amitié, même le jour où nous nous sommes rencontrés. Bien, dans ce cas, pas possible. Nous pouvons prier. Oh oui, prions. Père de gloire, Père de bonté, Amen. Nous te rendons grâce. Pasteur, je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir dit que nous avions voyagé. Mais vous savez, c'était une urgence. Ce n'est pas grave, il n'y a aucun problème. Alors, comment était le voyage? Pasteur, le voyage était très mal. C'était vraiment le pire des voyages. Nous avons d'ailleurs perdu un ami à nous.
Pasteur, au moment où je vous parle, nous avions presque failli perdre nos précieuses vies. Ce qui est quelque chose dont je ne saurais vraiment pas parler. Frère Emeka, voilà exactement ce qui se passe quand on n'implique pas Dieu dans son business. Vous oubliez que Dieu est l'auteur et le créateur de toutes choses. Et qu'avec lui, le futur est garanti. Vous savez, pasteur, je vous prie, permettez-moi de... Laissez-moi voir cet appel, s'il vous plaît. Oui, allô. Exact. Exact. Ok, ok. J'arrive là maintenant. Accordez-moi quelques minutes. J'arrive là tout de suite, ok? D'accord. Pasteur, je vous en prie. Je vous prie de m'excuser. Laissez-moi rejoindre cette personne. C'est vraiment une urgence. Ma présence est vraiment voulue là-bas au bureau. Alors je... Ce n'est pas grave. J'accepte. Quelque chose de okay. Va pas. Passez une bonne journée. Mais je vous reviendrai, ce pasteur. Ce n'est pas grave. Okay? Je vous appellerai. Ce n'est pas grave. Les hommes d'affaires. Bébé, te voilà. Oui, bébé. Je t'ai cherché partout, toi. Qu'est-ce que tu fais? En fait, je prépare notre réunion prochaine avec le FAM. Comme c'est moi qui va présider la réunion, c'est pourquoi je suis en train déjà de... Donc tu travailles, tu as dit? Donc tu préfères vraiment de t'occuper de ton travail qui peut attendre plutôt que de satisfaire ton mari? Désolée, mon amour. Accorde-moi juste quelques petites minutes et puis je vais te rejoindre. Ok. C'est ça. Ok. Puisque c'est quelques minutes, je te fais confiance, alors dépêche-toi. Merci, bébé. Tu as déjà vu tout ça? Ok, je vois. Je reviendrai sur ça. Je crois vraiment que tu devrais. Oh là. Ça devient très préoccupant. Zinon? Quoi, à cette heure-ci? Allô, Zinon? Oh, quand? C'était quand, ça? Oh, mon Dieu, je suis vraiment désolé pour ça. Oh, non, je ne peux pas quitter ma maison maintenant. On verra ça demain, ok? Ouais. Elle ne se sent pas bien. Emeka, depuis quand tu es devenu un corps médical? J'ai cru qu'elle était virée. Et pourquoi elle t'appelle?
Écoute, ce n'était qu'un simple appel. Elle m'a juste appelé pour me signaler qu'elle a fait un accident. Es-tu sa famille? Ou encore, tu es son parent? Et pourquoi elle t'appelle? Toi, Emeka. En tout cas, franchement. Sérieux, bébé, pourquoi est-ce que tu te fâches toujours de cette manière? Ce n'est qu'un simple appel et tu as bien entendu comment est-ce que j'ai dit que je ne pouvais quitter la maison juste pour toi. Ah. Et toi aussi, Zino, pourquoi est-ce que tu dois toujours m'appeler? Pourquoi dois-tu toujours m'appeler quand? Ah, ma chère, merci, hein. Tout ça pour moi. Mais qui suis-je? Ah, ok. Bien. Mais puisque tu en parles, c'est comment... Oh, il est à l'intérieur. Laissez-moi l'emmener pour vous, hein? Oh, oh, hey! Un grand vieux fou. Tu te promènes ça et là. Attends-toi ma visitation. Hey! Bien. C'est quoi ça? Hein? Mmh? Comment tu peux faire ça? Il mange très bien. Il peut d'ailleurs le témoigner. Mna, c'est notre visiteuse, hein? Bonsoir, madame. Bienvenue. Tiens, bon, c'est pour toi. Bon, hein? Va à l'intérieur, hein? Bien, va à l'intérieur. Mange et dors, hein? D'accord. Je te rejoindrai. Va et dors, d'accord? Hein? Je n'aime pas sa façon. Je lui ai tout donné. Pourquoi et comment est peut-être dans cet état? Pourquoi est-ce que tu penses ainsi, hein? Suis-je la cause de l'état de santé de cet enfant? J'ai fait de mon mieux de le maintenir ainsi. Hein? Que veux-tu que je fasse juste? Que je... Fais ce que tu peux. Souviens-toi que ce garçon est l'article le plus important pour moi. Hein? Je ne veux pas blaguer avec lui. Un article? Hey, comment peux-tu traiter ton unique fils d'un article? Hein? Déjà que tu refuses de prendre soin de lui alors qu'il est encore petit? Et tu as refusé de lui donner un nom? Maintenant tu le traites d'un article. Sincèrement, Zino, pourquoi es-tu si sans cœur? Sans cœur? Hein? Tu dis que je suis sans cœur? Non, non. Moi, sans cœur? Hmm? Regarde-toi. N'est-ce pas que c'est à cause de toi que je suis arrivée jusqu'ici? La prochaine fois que tu oses me qualifier ainsi, tu verras mon autre couleur. Hmm? Fais gaffe. Sois averti. Sinon... je ferai quelque chose de drastique que tu n'oublieras jamais. Du n'importe quoi. Hey, tu l'as dit. Mais voyons, non, hein? Mais Zino, pourquoi est-ce que tu as dit ainsi? Hein? Pourtant, tu sais très bien que j'aime plaisanter des fois. Je n'étais pas du tout sérieux dans tout ce que j'étais en train de dire. Oh. Je voulais juste te taquiner un peu. Tu plaisantais? Bien sûr, hein? Fais ce que je t'ai dit à propos de ce garçon. Bien sûr. Qu'est-ce que tu n'as pas? Tenez, ok, ne vous en faites pas, hein? Hey, je le ferai, oh. Thank you.
Allons par ici. Tout va bien se passer, maman. Non, ça va, ça va. Ferme le portail. Hey, donc nous autres qui travaillons ici, on ne prend même plus bien soin de nous. Voilà quelqu'un qui entre qui fait et puis sans même tarder, voilà qu'on est en train de prendre soin d'elle. Et nous autres, on est encore là. Et maintenant, c'est d'elle qu'on va plus s'occuper d'ailleurs. Voilà que ça fait déjà plusieurs mois que vous me dites toujours la même chose, que j'aurai mon argent, que j'aurai mon argent. C'est quand que j'aurai mon argent? À chaque fois, j'aurai mon argent. Mon amour, je t'ai appelé ici, cette nuit, pour une raison. Je veux que nous puissions discuter à propos de ta décision. Premièrement, c'est ce business de gaz et de pétrole qui t'a changé complètement. Deuxièmement, je suis étonnée du fait que tu oublies que tu es ingénieur. Bébé, mais pourquoi tu es en train de tourner autour du pot? C'est quoi le problème exactement qui te dérange? C'est de ces suspicions que je parle. Tu me donnes l'impression de tout abandonner. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Qui veux-tu que je fasse? Dis-moi. La prière, mon amour. La prière déplace les montagnes. Rejoins-toi à moi à la prière pour que Dieu ouvre ton cœur. Permets à Dieu de faire cette bataille avec toi. Ah, bébé. Si seulement que je perds de l'argent dans cette affaire, je perds ma vie tout entière. Et là, tu es en train de parler de la religion, hein? Pardonne-moi pour ça. Bébé. Tout ce que je te demande, c'est de me rejoindre à la prière. N'oublie pas que dans la prière, nous pouvons avoir la solution à tout problème. Prions ensemble, mon chéri, faisons ce combat ensemble. S'il te plaît, cette compagnie peut te rappeler. Qui sait? Dieu est capable de régler toutes ces erreurs. S'il te plaît. Je vois que tu es en train de me troubler cette nuit ici. C'est ça? Mais tu sais quoi? Si ça te dérange, tu pourrais prier pour nous et laisse-moi tranquille. Je ne suis pas intéressé. Je vais dans la chambre de maman. Jeff, reviens. Sache que même si tu abandonnes, moi je n'abandonnerai jamais. Je vais continuer à prier et Dieu va exaucer à mes prières. Mais enfin, c'est quoi tout ceci? Seigneur, s'il te plaît, touche le cœur de mon mari. Père, donne-lui la raison de te servir. Utilise-les, qu'il soit ton instrument pour ta gloire. Seigneur, je te prie, aide-moi, je ne saurais pas faire ce combat seul. Éternel, touche le cœur de mon mari, qu'il revienne à toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, Père, je prie en ces moments pour ma mère. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose. L'Esprit de Dieu, je sais que tu nous entends, Seigneur. Je t'appelle en ces moments. Descends et guéris ma maman. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, on imposera les noms aux malades et les malades seront guéris. Oh Dieu! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Truth and light.
life to Jesus. Change your life. Change your life. Change your life. Seigneur, et fais quelque chose pour nous. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que tu chasses tout cet esprit des maladies. Le diable, tu as menti. Tu es un menteur. Au nom de Jésus, tu ne peux pas prendre ma mère. Tu n'as aucun pouvoir de prendre ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas mourir, maman. Maman, tu ne peux pas mourir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse cet esprit. Je commande cet esprit de libérer ma maman. Ma maman ne doit pas mourir. Au nom de Jésus, reviens dans ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reviens dans ce corps. Reviens dans ce corps. Reviens dans ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne peux pas mourir. Tu vas vivre. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci d'avoir exaucé ma prière. Merci Seigneur. Merci. Maman. Ça va, hein? Vraiment. Comment va-t-elle? Elle se repose. Je crois qu'il va se sentir bien. Maman. S'il te plaît, apporte-moi les médicaments. Tu... Elle doit me faire passer. Maman. Maman, comment tu vas? Mon fils, t'inquiète. Et je t'assure que cette compagnie va te rappeler. Maman, d'accord, d'accord. Je t'ai entendu. Essaye de te reposer, maman. Hein, repose-toi. C'est bon. Oui, j'ai bien compris, maman. Ça va, maman. Essaye de te reposer, d'accord? Hein? Que voulais-tu dire qu'elle a failli nous laisser? Elle était en train de mourir pendant que j'étais en train de prier. Et puis elle est là. Maman, tout va bien. Tout va bien. Je t'ai appelé ici à cause de l'urgence de ce problème. Oui, pasteur, vous aviez l'air très, très urgent pendant l'appel. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous m'aviez demandé de venir avec Fabian. Avez-vous également une vision pour lui? Exact. Et pour dire vrai, tous les deux avaient les mêmes problèmes. Tous les deux, vos vies sont cernées. Vos vies sont contrôlées par des esprits maléfiques. Ah, pasteur, que voulez-vous dire? Exact, pasteur. Vous devez vraiment nous expliquer.
Vous devez vraiment nous expliquer parce que vous êtes en train de me confondre. Je veux dire, plus confus. Je ne fais qu'être de plus en plus confus. Frère Emeka, comment aviez-vous rencontré ce féticheur? Oh, exact. Le féticheur. Sérieux, ça veut dire quoi ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe juste? Où allons-nous exactement? C'est quel endroit? N'allons pas arriver? Allez, patience. Nous ne sommes plus loin. On y est presque. Depuis combien de temps tu n'arrêtes pas de dire cette phrase? On y est presque. Pourquoi m'as-tu demandé de parquer la voiture aussi loin comme ça, hein? J'aurais pu conduire jusque là-bas, c'est quoi, juste plutôt que de marcher comme ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Avançons, et arrête de te plaindre comme un petit enfant. Quoi? Nous y sommes déjà presque. Es-tu normal? Est-ce que tu te rends compte que tu entends de parler à ton patron maintenant? Désolé. Je suis très désolé, ok? Docteur, un peu de patience. Non, mais est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, où est-ce que nous sommes en train de partir? Nous sommes déjà presque. Non. Je vais prendre ma voiture. Comme ça, on va y aller. Viens avec moi. Tiens-moi la main. Hein? Sois encouragé. C'est seulement un fou qui ne sait rien sur un sort qu'il utilise sans en savoir les conséquences. Emeka, heureusement que tu es ici. Sinon, crois-moi, tu serais déjà un homme mort à l'heure qu'il est. La personne avec qui tu as un problème s'est enfin décidé de te faire mourir. grand sage. Bien, s'il vous plaît, je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi et débarrassez-moi de cette personne qui veut me tuer. Je ne sais pas quoi faire d'ailleurs en ce moment. Je ne sais même pas dire qui veut me tuer ou pourquoi, je ne sais même pas. Alors aidez-moi, je vous prie. Emeka, je vais t'aider. Je vais t'aider à combattre toutes tes batailles. Mais si seulement tu viens ici pour m'offrir un très très bon sacrifice, je parle d'un article. Cela ne sera pas un problème du tout. Zino ici présente m'avait demandé de bien me préparer, d'avoir un peu d'argent avec moi, alors je suis bien préparé. Cela ne sera pas un problème, donnez-moi juste un montant, donnez-le-moi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce genre de problème peut m'arriver à moi, alors je dois vraiment en finir. En tout cas, s'il vous plaît, faites tout votre possible. Faites vraiment tout votre possible, s'il vous plaît. Bien. Bien. tenez, hein? Voilà. Voilà 500 000 Negra. Juste, utilisez-les pour le rituel, pour tout ce que vous voulez acheter là, s'il vous plaît. Jette-le ici, à l'intérieur de la calebasse. Mets-le dans la calebasse, oui. Mets-le là. Exact. Vois-tu, la personne derrière ta situation actuelle n'est pas du tout loin de toi, Emeka. Elle n'est pas loin de toi. Cette personne, c'est ton oncle. Ah! Exact. Ah! Oncle Ruba? Exact. Ah! Non mais quel monde méchant! Comment est-ce qu'un homme dont je prends soin comme mon propre père, un homme dont je me rassure à chaque instant qu'il ne manque de rien, veulent me tuer? Ah! Oh! Oncle Ruba, ok, il n'a pas à s'en faire. Il n'a qu'à attendre.
qu'il attende à ce que je vienne. Je vais en finir avec lui. Et quand j'en finirai avec lui, il saura qui je suis. Ah! Tu ne feras pas une telle chose. Au contraire, n'arrête pas de l'aider. Cela sera le commencement de ta vengeance. Pardon. Vous voulez dire que je devrais continuer d'aider un homme qui n'est intéressé à rien d'autre à part me voir mourir? Hein? Exact. Les dieux de notre terre vont le combattre pour toi. Les dieux vont le combattre pour moi. Oudou, c'est les mains, Oudou, c'est les mains, Oudou, c'est les mains. Le vieux sage, le vieux voyant, oui, c'est vérité. Auprès de Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Prends la lettre, tout ce qui t'est dit, et va exécuter ses instructions. Je devrais lui faire confiance. Oncle, merci beaucoup. J'apprécie tout ce que vous faites. Bien, il n'y a pas de problème. Oncle, vous avez dit que je devrais continuer ainsi? Exactement, continue. Ok, sois un homme bon. Aucun problème. Et pendant que vous sortez là, ne regardez pas derrière. Aucun problème. Zino, ne crois-tu pas que l'on devrait se concentrer sur quelque chose d'autre à part ce problème? Allez, Mika. Tu t'es assez dérangé pour ces problèmes de job jusqu'ici. Écoute, Akbara ne va pas seulement accomplir le vœu de ton cœur, mais il fera aussi en sorte que tu signes un nouveau contrat. Tu veux dire, Abba fera en sorte que je sois à mesure de signer encore beaucoup de nouveaux contrats? Ça, c'est le minimum. Au fait, tâche-toi juste à obéir à ses instructions. Et tu verras l'accomplissement de tout ce qu'il t'a dit. Zino, si cela sera vraiment possible, je veux partager ça avec toi. Sache que je le fais juste pour toi. Les responsabilités sont partagées. Ne te dérange pas, s'il te plaît. Sache que cela ne sera pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? C'est aussi simple que ça. Épouse-moi et nous vivrons toute notre vie ensemble. Zino, j'aime énormément ma femme. Elle veut absolument tout dire pour moi. Si tu l'aimes autant, que fais-tu avec moi? Pourquoi tu es en relation avec moi? Ça, c'est exactement... Tu sais, des fois, je me demande très souvent ce que je fais avec toi. Et sérieux, je suis toujours confus à chaque fois que je me demande ça. T'es confus? Bébé, j'étais assez longtemps captivé. Le temps est venu pour toi de faire. Oui, tu as raison, Zino. Et cela, c'est vraiment ce que j'apprécie chez toi. Exact, tu es une fille très travailleuse. Et c'est pourquoi je t'ai employée en tant que ma secrétaire. J'aurais dû m'arrêter par là, mais non, je suis allé trop loin et voilà maintenant que je me retrouve dans cette situation avec toi. Ok. Écoute, Thierry, je suis désolée. D'accord, je suis désolée que tu te retrouves dans cette situation. Mais la vérité est que je t'aime. Bien, faisons ceci. Écoute. Nous devons juste oublier tout ce par quoi nous sommes passés pour arriver jusqu'ici. Écoute, je Zino, quelque chose. Zino, bébé. Je dois partir. Alors, vois-moi demain au bureau. Que s'est-il passé? T'as-tu dit quelque chose de mal? Hein? Viens, n'oublie juste pas que nous devons rentrer chez Akbara dans les 2 jours qui viennent. Du n'importe quoi. Voilà comment est-ce que mon voyage avec ce féticheur a commencé. Des fois, je me demande pourquoi j'avais attendu.
Pourquoi j'avais attendu jusqu'à ce que les choses ne puissent arriver jusqu'à ce point avant que ma femme ne puisse me présenter à vous? Il y a un temps pour toutes choses. Dieu sait pourquoi est-ce que cela arrive en cet instant. Frère Jeff. Oui, pasteur. Votre mère est encore en vie. Pour être franc, elle se trouve au point de la mort. Vous avez raison. Tous les deux devriez avoir une sérieuse discussion avec vos femmes. Il y a tellement de choses que ces femmes ont besoin de vous dire à tous les deux. Pasteur, mais ma femme ne me laisse pas tranquille pour ça. En fait, il n'y a pas de paix. Suivez juste les instructions du Dieu Tout-Puissant. Et là, tout ce qui reste de cette situation s'en suivra. Pasteur, vous me rendez encore bien plus confus. Vos mots me rendent de plus en plus et encore plus profondément confus. Frère Emeka, ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots du Dieu Tout-Puissant. Je ne suis qu'un simple instrument pour faire parvenir la parole de Dieu à vous. Jeff, tu l'as entendu. Tout ce que je sais de dire est que maman ne saura pas supporter toutes ces choses. C'est exactement ce que j'ai dit à mon mari quand nous étions en train de venir ici. Épargnons la pauvre vieille de toutes ces histoires. Pasteur, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je pense que vous devriez d'abord commencer par vous calmer et essayer de parler un peu moins. La voilà qu'elle arrive. Maman, tu as quand même pu sortir. Doucement, par ici. Doucement. Je ne pouvais pas m'imaginer être ici aujourd'hui avec vous pour entendre cette vérité. Doucement. Oui, la vérité, oui, devant vous tous et qui est assis ici. Désolée, maman. Emmenez de l'eau, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Doucement, maman, ça va aller. Emmenez vite de l'eau, s'il vous plaît. Je rapporte de l'eau. Doucement, maman. Allez-y, doucement. C'est passé quelque chose dans le temps. Odi, mon meilleur ami. Ogné? Odi. Obere. Mon cher ami. Obere. Les grands temps. Mon cher ami. Obere, tu me rends visite très tôt le matin comme ça, Je dois te parler de quelque chose. C'est très important. Et c'est urgent. Obere. L'article pour le sacrifice est prêt. Et même ces autres articles que nous allons utiliser, je l'ai obtenu là-bas en allant au marché. Je les ai déjà. Donc, Dieu merci, tu es ici. Pourquoi est-ce que ton visage est frustré ainsi? Tu as l'air inquiet. Oh Dieu, ma femme est en colère dès qu'il a pris la décision de venir avec nous.
ça a pris tellement beaucoup d'années. C'était très difficile pour moi de convaincre ma femme. Obéré. Concernant ce problème de femme, hein, tu devais vraiment être très prudent. Le prêtre a dit que la présence d'une femme est très importante. Donc elles doivent être là. Parce qu'elles connaissent très bien le business dans lequel toi et moi nous travaillons. Voilà pourquoi elles doivent être là. C'est très important et tu sais. Donc elles doivent être là. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Leur présence ne doit t'inquiéter en rien du tout. Odie, es-tu vraiment sûr de ce que tu fais, hein? Es-tu vraiment sûr de la décision que tu es en train de prendre? Ça aura des conséquences. Vraiment sûr. C'est ça même. Obéré, cette chose que nous sommes sur le point de prendre, hein, elle va nous rendre prospères. D'ailleurs, ça va nous faire quitter de la prospérité vers la pro-prospérité. De la prospérité vers la pro-prospérité. Obéré, mon ami. Alors, mon cher, ne t'en fais pas. Ne t'en fais surtout pas, car le meilleur est pour bientôt. Et là, nos enfants ne souffriront plus jamais. La pauvreté ne sera plus comptée parmi nos enfants. Et ça sera comme ça, mon cher ami. Je préfère qu'on puisse me blâmer pour mon business. Tout ça, ce sont des années et des années de sacrifices. Hein? Nous devons le faire, toi et moi. Pour que le domaine de nos enfants soit meilleur. Odie, mon frère m'avait dit qu'il y aura des conséquences. Tout ce que j'ai besoin maintenant, c'est d'être rassuré. Je comprends tout ce que tu es en train de me dire, mais je veux être juste rassuré. Il faut que tu me rassures. Obéré, je suis en train de te rassurer. Hein? Tout est sous contrôle. Voyons-nous juste à notre lieu de rencontre. Hein? Très simple. Ok, laisse-moi me préparer. Voyons-nous ce soir, on va voir quoi faire. Laisse-moi prendre quelque chose. N'oublie pas, c'est au prochain jour du marché, après celui-ci. Hein? Alors ne t'en fais pas mon ami, ça va aller. Je vais prendre un truc là-bas. Je dois y aller. Tu vois que maintenant tu viens d'être rassuré, tu insistes à pouvoir y aller. Tu vois comment est-ce que j'étais venu ici. Il n'y a personne qui veut faire ça, regarde. Laisse-moi aller prendre. Ouais, c'est ça. On va se voir après. On se voit plus tard. Mon cher. Regarde-moi. Amara! Le progrès et leur enfant. Avec ce sang de vos propres corps, vous venez justement de signer un accord éternel avec Abara. Donc, il est temps de jurer. Qui commence? Moi, Mazie, Oji, Olenko, je promets de demeurer dans cet accord avec Abara.
jusqu'au jour de ma mort. Je m'appelle Obene Injoku. À partir de moi-même, ma femme et toute ma génération, je promets de garder les règles de cet accord jusqu'à ma mort. Moi, né Zoku, je jure sur l'ordonnance de cette alliance. Je promets de ne jamais la briser jusqu'à ma mort. Moi, Obiangeli, Omenko, je promets de garder le secret de cette alliance, de ne jamais le dire jusqu'à ma mort. Avec ces mots, vous venez d'entrer dans une alliance éternelle avec Abara. Vous vous devez de garder cette alliance à travers toutes vos générations, même jusqu'à la cinquième génération. Échouez à faire ceci, et le désastre sera avec vous. Est-ce que je suis assez clair? Oui, grand sage. Bien. Abara, tes enfants sont venus chercher ta bonté. Tu es celui qui donne le bonheur à ceux qui n'y ont levé le moindre petit doigt. Tu es celui qui donne toute la richesse que ce monde ne peut offrir. Prends ceci. Avec ce couteau, vous allez donner en sacrifice à Abara une fois chaque année et une fois à la fin de chaque année. Et vous devez vous rassurer d'initier également vos enfants une fois qu'ils atteindront l'âge de 20 ans pour la purification et la sanctification devant Abara. Si vous échouez également à faire ceci, vous attirerez le désastre. Est-ce que je suis bien assez clair? Oui, oui. Oui, le vieux sage. Bien. Abara! 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 Il n'y a personne dans cette maison. Obi! Ah! Obiageli, comment tu peux rester toute seule ici? Et sois la bienvenue. Tu es là. Il n'y a rien, oh. Mon ami, viens, prends place. Ça fait longtemps. Oh, quelle surprise. Non, maman. Dis-moi, souviens-toi comme ça. J'étais isolée, je suis toute seule chez moi. Ah. Et j'en avais marre. Je me suis demandé, mais comment font le veuve? Pour mon cas, je ne fais que m'appuyer sur mon fils et mon Dieu. Hein? Dieu? T'as entendu mentionner Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ferme ta bouche. N'est-ce pas que c'est lui qui a tué le mari? Hey, Bigeli. Qu'est-ce que tu racontes? Veille sur ta langue avant que cela ne te cause de grands troubles. Hein? Hey! Comment tu peux dire de telles choses? Hein? Tout le monde dans ces villages sait que nos maris sont morts par accident.
L'accident de voiture. Bien sûr que oui. C'est ce même Dieu qui les a tués, alors qu'ils étaient sur le point d'aller le servir. Et c'est toute une génération qui est en péril. Allez, laisse tomber, arrête. On dirait que cela ne suffisait pas. J'ai vu dans la pauvreté extrême. J'ai vécu tranquillement dans la maison de mes parents, pensant à un avenir radieux. N'est-ce pas que c'est ce mariage qui m'a mis dans ces pétrins, dans cette souffrance? N'est-ce pas que ce sont le même Dieu que nous ont conduits jusqu'ici? Arrête! Ne mentionne plus le nom de Dieu ici. Que le Dieu de notre terre te sauve dans cette perdition. N'est-ce pas que nous n'avons pas encore fini le temps de sacrifice de notre deuil? Nous sommes censés continuer avec le sacrifice jusqu'à ce qu'il vienne à notre aide, comme prévu, et qu'il nous sauve de la mort. Moi, jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Que j'attende encore pour 2 ans? Mais tu as encore de l'âge. Tu vois, si tu continues comme ça, sans secours. Si tu veux, tu peux continuer à faire ce sacrifice à Dieu. Ça ne dépend que de toi. En ce qui me concerne, je rentre chez moi. Chez mes parents, avec mon fils. Mon fils aimé, car... Assez, je ne vais plus être esclave d'aucune divinité. Rabek, pardon. Oh, bien, Kelly. Sois averti, oh. Regarde-moi cette-ci. N'oublie pas le vœu que tu as fait dans le sanctuaire. Les serments que tu as faits. Allez, le chemin est libre. Tu peux rentrer d'où tu viens. Et tu es en train de me chasser. Tu peux rentrer d'où tu viens. Sache que le Dieu te tient à l'œil. Je m'en fous. Va-t'en, je m'en fous. Je m'en fous des conséquences. J'ai assez longtemps traîné dans cette situation, je n'en peux plus. Ah ah, c'est quelle vie ça? Il n'y a rien qui change depuis qu'on a commencé à observer ces sermons. Assez, je n'en peux plus. Fais dodo, Emeka mon bébé. Fais dodo, t'auras dit lolo. Qui est cette personne qui est dans ma maison? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu dans ma parcelle? Hein? Oh, kiri kiri kana. Amana nieni. Oto wala. Hein? Oh, kemo. Ah, bakatelu. Onye? Onye, tu onye? Dans ma parcelle, où t'es cache? Si tu n'as pas peur, montre-toi. Qu'est-ce que vous faites dans ma parcelle, tous les deux? Êtes-vous venus pour me jeter un sort? Femme, arrête de te lamenter. Tu ne peux pas venir ici te lamenter. Réalise ta promesse. Quoi encore? Ok, c'est bon. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu te comportes en infidèle au serment que tu as fait au Dieu? Je ne dois à aucun Dieu ou à qui que ce soit. Que faites-vous ici? Méchant que vous êtes. Nous sommes venus te rappeler que ton fils est le fils de Oji et qu'il est venu reprendre sa possession. Juste comme moi, je le fais à mon père. Allongé malade sur un lit, mon père me l'a dit droit aux yeux et que le sacrifice devait être offert au temps propice. Et ça fait déjà 17 ans jusqu'ici. Le vendredi prochain sera le jour du marché. C'est le jour prévu pour toi de faire tout. Je n'ai aucune idée de ce que tu dis. Sur ce, ça m'est égal. Aucun de mon fils ne sera mis au service de vos dieux. Allez-vous-en maintenant. Écoute-moi, femme. Abala honore sa promesse. Toutes ces années, non parce que tu t'opposes à elle, mais tu dois bien savoir. Elle est très importante que tout ce que tu peux imaginer.
Oui. Elle attend juste que tu... que tu réalises ta promesse. Elle veut que tu continues à l'offrir tes enfants. Non. Aucun de mes enfants, aucun de mes fils ne servira vos dieux. Je suis prête à vous affronter. De la même façon que vous êtes parti, tout est fini. Point. Et c'est un peu ça. Comment les choses se sont passées. Je suis prête à donner ma vie à Dieu, à Christ. Pour que mes enfants et mes cas vivent en paix. Désolé, maman. Tu veux dire Emeka et Jerry étaient des amis? Oui, ils étaient amis tous les deux depuis leur enfance. Ils étaient très rapprochés. Ils font partie de cette histoire. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Donc vous êtes la femme dont ma mère m'a interdit de me rapprocher. Vous êtes la femme dont ma mère m'a formellement interdit de me rapprocher. Que je devrais rester très loin de la communauté des Oumounele, ma propre ville natale. Oh. Oh. Maman, qu'est-ce que nous allons retenir? Est-ce les paroles de la sorcière ou la volonté de Dieu? Mes chers frères, plus de questions nous rapportent encore plus de confusion. Laissons Dieu accomplir sa volonté. Maintenant que nous connaissons tous la vérité, la prochaine étape, c'est donner vos vies à Christ et faire sa volonté. Maintenant que je vous ai ouvert tout mon cœur, je peux m'endormir avec mes enfants. Non, maman, vous ne pouvez aller nulle part jusqu'à ce que vous n'ayez établi une paix éternelle avec Dieu. En ce Jésus, il existe une paix éternelle. Car ce Jésus est l'auteur et le rémunérateur de votre vie. Donnez votre vie à Christ. Le Dieu que je sers a l'habileté et la capacité de vous pardonner de tous vos péchés. Maman, donnez votre vie à Christ. Maman, il n'est jamais trop tard pour venir à Dieu. Même si tes péchés sont devenus noirs comme le charbon, le Dieu Tout-Puissant te purifiera de ses péchés. Maman, tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter Christ pour sauver ton âme et assurer l'avenir de tes enfants. Vous devez faire la même chose, vous aussi. Nos maris, donnez vos vies à Christ. Laissez-les combattre pour vous. Avec lui, la victoire est certaine. Exact. Je vous prie, donnez vos vies à Christ. Maman, je t'en supplie, ne dis pas de telles choses. Dieu seul pardonne nos péchés. Hé, maman. Priez pour moi, homme de Dieu. Je crois qu'il est temps pour moi de m'endormir avec mon père. Amen. Priez pour moi. Amen. Notre Amen. Cher Père, notre Dieu, je laisse cette famille entre tes saintes mains. J'utilise maman comme le point d'union. Car elle a publiquement renoncé à son secte nocturne de cette alliance qu'elle avait établie. Et aujourd'hui, Jésus. Je la couvre du sang de Jésus. Jésus. Je couvre cette famille avec le sang de Jésus. Sang de Jésus. Tout pouvoir occulte contre cette famille n'a plus aucun effet à cause du sang de Jésus. Sang de Jésus. Et je dis, oh Dieu, puisse ton nom être glorifié dans cette famille. Amen. Je couvre cette famille du sang de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Non, pas question. Non! Ce n'est pas possible. Non, ils ne peuvent jamais sortir de ces jougs. Ils ne peuvent jamais être libérés de ces sanctuaires. Calme-toi, Zino. Il y a encore de l'espoir. Espoir? Oui! De quel espoir s'agit-il? Comment est-ce possible? Qu'ils sortent de ces chaînes. Comment?
Ceci veut dire qu'ils sont plus puissants que... Ah, voilà, sur que nous avons mis notre confiance. Calme-toi. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter. C'est le moment d'agir. Est-ce que tu as bien constaté les garçons? Il est très faible. Il peut nous servir de sacrifice. Oui. Les garçons. Oui. Je te ramène les garçons. Pour avoir désobéi, il doit être sacrifié au sanctuaire pour apaiser l'esprit de mon père. Oui, tu as raison. Les garçons. Les garçons. Nous allons tuer les garçons. Je vais l'offrir en sacrifice. Je te ramène, les garçons. Honnêtement, vous avez raison. Vous savez, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai constaté le changement. Que Dieu soit loué. Ma vie va vraiment de mieux en mieux. Mes revenus financiers ont augmenté. Vous savez, les choses n'ont pas cessé de s'améliorer. J'ai maintenant un nouveau contrat que j'ai cherché depuis beaucoup d'années. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas du tout comment je peux vous remercier. Toute la gloire et l'honneur reviennent au Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui s'est souvenu de vous et de votre famille. Et comment va votre femme? Je ne l'ai pas du tout vue depuis un moment. Oui, elle va bien. Elle s'occupe de certaines affaires. Ça, c'est voilà bien. Pourquoi ça, c'est elle... Bien. Je comprends. Alors, comment a-t-elle pris la nouvelle de quand elle a appris que vous avez donné votre vie à Christ? Comment a-t-elle pris ça? Eh bien, pasteur, ce n'était pas du tout facile, mais... Je l'ai fait. Je me suis confessé à elle et... Elle m'a accepté avec ma nouvelle vie. Et je remercie Dieu parce qu'elle a été capable de me pardonner et de tout oublier. Parce que franchement, c'est très peu de femmes qui feraient ça. Et cette nouvelle vie, vous plaît-elle? Oui, pasteur, parfaitement. Mais il y a quelque chose dont vous ne l'avez pas à parler. Et je sais que vous ne savez rien à propos de cela. Qu'est-ce que cela peut bien être, pasteur? Vous aviez eu un fils avec Zino. J'ai un fils. J'ai vraiment un fils. Je vous en prie, ne soyez pas encore excité. Mon cher frère, le Seigneur dit que maintenant, tu devrais le chercher. La raison pour laquelle il se rapprochait de toi, c'était pour en finir avec toi. En finir avec moi? Pasteur, mais c'est vous qui venez à peine de me dire qu'elle a un enfant. Mais je n'avais jamais su qu'elle était enceinte. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Après que le père soit mort, vous lui avez donné 6 mois. Et là, c'est parce qu'elle se préparait à avoir un enfant. Et cet enfant est venu au monde. Et bien après ça, elle est venue travailler. Exact. Elle m'avait supplié pour avoir ces 6 mois. Et alors, je m'étais dit... qu'à cause du simple fait qu'elle était ma meilleure employée, j'avais décidé de lui donner ces 6 mois. Et c'est à cause de ça qu'elle a été capable de cacher la grossesse, donner naissance, sans laisser aucune trace. Mais puisque leur premier plan a échoué, ils veulent utiliser le sang du bébé comme sacrifice. Pasteur, ne me dites pas qu'elle va tuer notre fils. Ne me dites pas qu'elle peut faire ça. Frère Emeka, c'est la raison pour laquelle l'enfant a été mis au monde. C'est ce pourquoi il était mis au monde. Mais le Seigneur a déjà mis sa main puissante sur elle et la situation a bien été prise en main. Alors je vous demanderai d'informer à Bénédicte et à Jeff que nous aurons une prière cette nuit même. La ligne des batailles est tracée. Nous devons souder nos mains. Par les prières. Oui, pasteur. Ah, oh, Dieu. Mais, pasteur, comment est-ce que les gens peuvent être si,
si méchant et sans cœur. Nous vivons dans un monde méchant. Mais ça va aller, que Dieu te bénisse, mon frère. Merci, pasteur. De rien. Où est passé ce vieux fou? Il n'est même pas joignable. Qu'est-ce qui se passe? Zino, tu es déjà ici? J'étais en train d'essayer de... Je suis venu récupérer les garçons. Ah, le garçon? Au moins entre avec moi, comme ça on va parler un peu. Comme ça, je vais te donner le petit garçon. Oh, Foba, j'ai besoin de ces garçons. Maintenant même, ne me provoque pas. Calme-toi. Cela veut dire que tu dois me suivre à l'hôpital parce que le garçon est malade. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais le docteur a dit qu'il va très bien. Il va bien, ne t'en fais pas. Je vais rentrer avec lui. J'ai besoin de lui, maintenant. Non, le docteur a dit qu'il ne devrait pas quitter l'hôpital. Ah. Ok, allons-y. Et le voici. Fais le nécessaire. Dépose-le. Ici. Étrangle-le. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit en Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera absolument nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Oh Dieu, Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant cette famille en tant que l'oracle pour dire et déclarer que tout jugement ou bien tout mot qui a été dit contre cette famille par l'ennemi, toute arme forgée contre cette famille, Père, nous la déclarons nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, là est nulle et sans effet. Seigneur, prends le contrôle de cette famille en entièreté. Je détruis tout au nom de Jésus. Amen. Je brise ça au nom de Jésus. Amen. Je brise là au nom de Jésus. Amen. Il n'existe qu'un seul Dieu. Abarawani. Abarawani. Reçois le sacrifice. Sule. Coucou. Nous l'avons perdu. Non. 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 Coco. Non. Ce n'est pas possible. Non. Je ne le laisserai pas me vaincre. Je ne voudrais pas perdre cette bataille. S'il doit faire quelque chose, fais quelque chose, s'il te plaît. Fais quelque chose. Non, ce n'est pas possible. Ils ont peut-être gagné la bataille. Mais nous, nous allons gagner la guerre. Non. 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 Fils, le temps est venu pour moi de partir. Ne m'empêchez pas de partir. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait le nécessaire. Maintenant, je vous ai laissé
entre les mains de Christ. Vous êtes libéré. Vous êtes libre. Maman, pourquoi tu parles ça maintenant? Oui. Je peux. Je m'en vais. Jeff. Maman. Apprends à écouter ta femme. Elle te sauvera de beaucoup de dangers. Hein? Jeff, prends bien soin de ta famille. Et de ton petit frère. Maman, essaie de te reposer, d'accord? Tu ne vas pas mourir. Ma chérie, ma jolie belle-fille. Oui, maman. Ma fille. S'il te plaît, prends soin de ton mari. Ainsi qu'il de tes enfants, comme la tradition demande. Maman, doucement. N'oublie pas. Vraiment. Maman. Je vous aime tous. Nous t'aimons aussi, maman. Maman? Maman! Maman! Est en train de m'empêcher de dormir. Je n'arrive pas du tout à avoir sommeil à cause de tous ces problèmes. Cette femme est tellement obsédée. Coucou. Et tu es en train de te la monter? C'est quoi le problème? Rien du tout. Je me demandais juste. Sur quoi et pourquoi? Écoute, nous ne jetterons pas l'éponge. J'ai trouvé une autre piste pour que nous puissions récupérer cette bataille. La femme des Mecca est enceinte. Je pense que nous devons trouver comment la kidnapper et retirer cet enfant de son ventre pour qu'il nous serve de sacrifice. Je ne pense pas que je peux continuer de cette façon pour un long moment. Non, je pense que nous devons oublier ces gens. Nous devons faire autre chose. Au lieu de continuer de se battre. Ne me pousse pas à m'énerver. Comment tu peux dire ça? À qui revient la décision sur la victoire de la bataille? C'est à moi et non à toi. Tu m'entends? Est-ce que tu sais? Aucun d'eux ne va accepter de mourir. Nous n'avançons pas. Les choses ne changent pas. Nous sommes bloqués. Et je ne pense pas que je dois continuer de cette façon. Il faut que tu y penses. Coco. Oui. Coco. Un autre choix que de te tuer, de te donner en sacrifice, comme l'a voulu mon père. Tu ne vaux rien. Après tous ces temps, c'est ce que tu veux me payer en retour. Meurs, meurs. Et mes cailloux, Angèle, tenez-vous prêts. J'ôterai la trace de votre famille sur la surface de la terre. Je jure que je viens vers vous. Je dois venger mon père. Toi! C
Sincèrement, je vous dis, les amis, c'est vraiment une très belle maison. Je vous dis, c'est vraiment une très belle maison. Très bien, merci beaucoup. Vous savez que c'est le moment de se reposer. Après tous ces moments qu'on vient de passer. Oui, tu as raison. Tu peux le redire encore, mon cher. En tout cas. Dieu nous a accordé le repos, alors profitons-en. Dieu a publié encore une année de grâce pour nous. Quelle joie, quel bonheur. Vraiment, ma chérie. T'es bon. Mais qu'est-ce que tu racontes là? S'il te plaît, ne la blâme pas. Il est fidèle à jamais. Écoutez, les amis, Dieu l'a enfant. Ah, vraiment. Ma femme est là et elle va bientôt me donner un enfant. Ma femme est déjà. T'es sérieux, mec? Eh bien, ce petit garçon c'est portera mon nom. Tu es enceinte? Oh. Oui, je suis enceinte. En tout cas, au revoir. Ah, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon cher. Vous savez qu'on a passé vraiment des bons moments ensemble. Tu as raison, mon cher. On est passé par vraiment beaucoup de choses. La misère, la tristesse et tout ça juste pour nous réunir ensemble maintenant. Que dire de tous ces jours qu'on a passés en voulant nous suicider? Imaginez un peu ça, les gars. Dieu est merveilleux. Vraiment, remercions Dieu pour tout. Parce que c'est lui le maître des circonstances. Rien n'est plus grand que l'amour de Dieu. Oui, Dieu est merveilleux, mon cher. Mais n'oubliez pas, on doit rester concentré. C'est vraiment ça, la base. Vous n'aurez rien à célébrer tant que je vivrai. C'est toi? Qui es-tu? C'est elle, cette Zino, la fille qui a presque ruiné ma vie ainsi que celle de ma famille. Attendez d'abord. C'est elle qui, maman, était en train de parler? Oui, c'est bien moi, Zino. Je suis Zino, la fille du prince de la parabole dont ton père t'a raconté il y a 17 ans passé. Toi, démon, qu'est-ce que tu veux faire encore? Personne ne veut la connexion diabolique. Laissez-nous tranquilles. Pas question. Mon père est mort dans cette bataille. Moi, je dois venger son esprit. Nous ne sommes pas intéressés à tout ce que tu racontes. Sors vite de cette parcelle, toi sorcière. C'est d'ailleurs pour toi que je suis venue. Je suis venue te prendre en sacrifice pour apaiser l'esprit de mon père. Je suis venu reprendre ce qui est à moi. Ton père a trahi Agbala. Il n'a pas tenu promesse au serment de Agbala. Il était au courant des conséquences qu'allait suivre sa famille et toute sa génération. Tu fais partie de cet héritage. Tu ne peux pas échapper de mes mains. C'est pour te tuer que je suis là. Je dois apaiser l'esprit de... Avec la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne feras rien. Tu n'as aucun pouvoir sur nous. Au nom de Jésus. Nous sommes couverts par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir de nous tuer. Au nom de Jésus, tu ne feras rien. Au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur nous. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Merci, Jésus. Jésus. Nous sommes Merci, couverts Jésus. Par le sang sois du détruite. Seigneur Jésus. Sois détruite. Sois détruite au nom de Jésus. De nous que le feu te consume. Au nom que le de feu Jésus, de Jésus te consume. Rien. Au nom de Jésus. Tu n'as au nom aucun de Jésus. Pouvoir sur nous. Sois détruite par au le sang de Jésus. Jésus. Sois au nom au nom de Jésus. Jésus. Sois détruite au nom par de le Jésus. Sang du que le feu Jésus de Jésus te tue. Tu n'as que le feu aucun de Jésus-Christ te tue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois détruite au nom de Jésus. Sois détruite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détourne-nous du bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois détruite au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur nous. Au nom de Jésus. Que le feu de Jésus-Christ te tue. Que le feu de Dieu te consume. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu te consume. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Tu n'as aucun pouvoir de lui tuer. Sois détruite. Au nom de Jésus. Sois détruite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Père sois éternel, au nom nous te remercions. Merci Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. 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 Sois loué éternel. Chérie, lève-toi s'il te plaît. Allez, debout, debout. Oui, est-ce que ça va? Hein? Ça va, oui. Es-tu sûr? Allez, viens là. Oh, oh, merci, mon Dieu. Oh, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. C'est cette façon que les enfants de Dieu doivent se comporter. Le diable n'aura aucun pouvoir sur nous. Voilà, nous avons prié pour vous. Et vous êtes revenus à la vie. Qu'importe le combat, elles ne nous vaincront jamais. Jésus a déjà vaincu pour nous à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 54, toute arme fabriquée pour nous faire du mal n'atteindra pas son but. Au nom de Jésus. Dieu est avec nous. Alléluia. Merci Jésus, merci. Je te bénis, merci Seigneur, d'avoir sauvé ma vie. Tu es merveilleux. Ainsi que celle de tu ma femme. Es fidèle. Notre Dieu oh, est le Jésus. Dieu Tout-Puissant. Alléluia, tu es fidèle. Ah. Le Dieu des armées. Je vous en prie, venez. Venez à l'intérieur, venez. Allez, allons-y. Allons-y. Ouais. Entrons. Allez. Entrons dans la allons-y, maison. Allons-y, s'il vous plaît, allons-y. Attends, chérie, attends. Doucement, doucement. Venez, venez. Comme je le disais, je crois bien qu'on va le trouver. Oncle bas, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, calme-toi, ok? Il n'y a rien. Reviens, s'il te plaît. Emeka. Es-tu venu ici pour me faire arrêter? Te faire arrêter? Oncle bas, mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que je viendrai ici pour t'arrêter? Écoute. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Je ne suis pas venu ici pour te faire arrêter. D'accord? Bien. C'est bon, assieds-toi. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas venu ici pour t'arrêter. Je suis venu ici pour te demander pardon pour t'avoir abandonné absolument tout ce temps. Pardonne-moi également, mon fils. Je sais que moi aussi, je t'ai fait du mal d'une certaine manière. Alors, je t'en prie, essaie toi aussi de me pardonner, je t'en prie. S'il te plaît. Je sais que, à plusieurs reprises, j'ai été contre toi en suivant cette femme. C'était ta mère qui m'avait entraîné dans tout ça. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, mon oncle. Je suis vraiment désolé. C'était la gourmandise qui m'a poussé à faire ça. Je suis désolé. S'il te plaît, je voulais juste devenir un millionnaire. Mais le problème aussi, c'est que j'étais vraiment très gourmand. J'ai succombé à cette tentation. Et j'ai fait ce qu'il ne fallait pas en tombant dans le piège de cette femme maléfique. Zino. Oui, c'était ça son nom. Elle m'avait assuré qu'elle me donnerait absolument tout ce dont j'avais besoin, surtout de l'argent. Qu'elle me donnerait absolument tout ce que je souhaiterais. Et seulement il fallait que je fasse tout ce qu'elle me disait. Hey, je n'avais pas d'autre choix que de le faire. Tu dois me croire, mon fils, ça a été très difficile. Oncle, c'est bon. Je sais que c'était difficile, oncle. Comment est-ce que tu as pu permettre à ce qu'une totale étrangère puisse me tuer, en finir avec moi, pour m'avoir moi et Meka, ton neveu? Comment as-tu pu? Oh, c'est vraiment difficile. Emeka, calme-toi. Ça va? Il n'y a rien qui va t'arriver. Oncle, parlez-nous. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je le jure que je ne voulais pas du tout te faire du mal. J'en avais après l'argent. Il y a 2 ans de cela, elle est venue me voir avec une grossesse.
la suppliant de prendre soin d'elle pendant qu'elle avait donné naissance à un fils. Hey. Zina donnait naissance à un fils dans cette maison. Mmh. Exact. Jésus-Christ. Comment est-ce que je n'ai jamais pu le voir? Oncle, comment est-ce possible? Elle était partie 2 jours après, sans jamais revenir. Après, elle est apparue après 3 mois, avec un peu d'argent ainsi que des provisions pour le garçon. Elle a dit que je devais prendre soin du garçon, mais juste après ça, elle est venue et l'a ramené très loin d'ici. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Après que toutes ces histoires passent, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je veux dire, après ça, qu'est-ce qui était censé s'est passé? La dernière fois où Zino est venue ici, elle m'avait presque tué. Exact. Elle m'avait presque tué. Et c'est là que j'ai su à quel point elle était très dangereuse et très méchante. Il y a 2 ans de cela, elle était venue et m'a demandé de te rendre visite là-bas en ville. Avec une substance empoisonnée. Une substance empoisonnée? Exact. Elle a dit que c'était un mal pour un bien. Emeka, si seulement j'étais vraiment si gourmand, j'aurais déjà été capable d'exterminer mon propre sang, toute la famille. Alors j'avais refusé. Et là, elle a essayé de me tuer. Mais Dieu merci, elle n'avait pas réussi. Oncle, rien ne va plus vous arriver. Mais notre Dieu est grand. Exact, notre Dieu est grand. Voilà, il prend soin de ses enfants. Tu as raison, mon fils. Oncle Ouba, tu as cohabité avec une totale étrangère. Tu ne t'es pas arrêté là, tu as même permis à ce qu'elle puisse en finir avec moi, oncle. Elle ne me disait presque rien de tous ses plans. Je ne savais pas tout ce qu'elle était en train de planifier. Quoi qu'il en soit, le mal est fait. Je suis sincèrement désolé, mes enfants, s'il vous plaît. Pardonnez à votre oncle. Je suis désolé. Mais oncle, tu m'as sincèrement déçu. Tu m'as vraiment déçu. Comment as-tu pu cohabiter avec une totale étrangère? Oncle, je faisais absolument tout pour te donner tout ce que tu me demandais, cher oncle. Quoi d'autre? Comment as-tu pu t'allier avec une totale étrangère pour me faire du mal à moi? Hey, écoute, cette sorcière, cette fille semble être la fille du prêtre qui n'arrêtait pas de tourmenter la vie de ma mère chaque jour de sa vie. Hey, oncle, comment as-tu pu? Mon fils, j'ai vraiment honte de moi. Tout ce que j'ai fait, j'en suis pas fier. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. C'est le diable qui m'a utilisé. S'il vous plaît, je suis désolé. Je vous en prie, c'était le diable. C'est le diable qui m'a poussé à faire cela. Je vous prie. Je suis vraiment désolé. Oncle. Oui. Le seul moyen d'être pardonné est que tu donnes ta vie à Jésus. Okay. Fais de l'Éternel ton sauveur. Il est le seul qui peut pardonner tes péchés. Est-ce que tu es prêt de recevoir exact. Jésus? Je suis prêt à faire n'importe quoi qui peut me réconcilier, moi, ainsi que mon neveu. Je le ferai. Merci Seigneur. Alors, je t'en Jésus. Prie. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici auprès de toi. Me voici auprès de toi. Avec tout mon fardeau. Avec tout mon fardeau. T'accepter dans ma vie. T'accepter tel dans ma que vie. Je suis. Tel que je suis. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, corps. Maintenant, j'ai décidé de te suivre. Maintenant, j'ai décidé de toute ma te vie. Suivre toute ma vie. Toute ma vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. C'est bon. Loué soit Dieu. Hey, loué soit Dieu. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose
propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Alors,